Le nouveau bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats, Maître Mamadou Soaré, a pris fonction ce vendredi 6 janvier 2023. La cérémonie de passation de service entre lui et le sortant Maître Djibril Kouyaté a eu lieu au palais de justice de Conakry. Elle s'est tenue en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, des 19 membres du Conseil de l'Ordre, les avocats, le procureur général de la Cour d'appel de Conakry, les procureurs de première instance. Dans son discours de circonstance, Maître Djibril Kouyaté a loué les qualités d'intégrité humaine, mais aussi les compétences de son successeur, dont la tâche à la tête de l'ordre est passionnante mais lourde. Votre mission d'être le premier parmi nous s'avère honorable, passionnante, mais sera d'une très lourde charge accumulée avec la gestion de votre étude sur le traitement des dossiers de vos nombreux clients. Votre intégrité, votre compétence, votre sens de la justice ainsi que vos qualités humaines sont reconnues par l'ensemble de vos confrères. Il vous appartient de participer à votre tour à l'œuvre de consolidation et de développement de notre ordre par toutes les réformes que le Conseil de l'Ordre et vous-même estimeront appropriées. Pour sa part, Maître Mamadou Soaré Diop a salué le travail fait par celui qu'il vient de succéder et qui a géré son mandat avec responsabilité et sagesse. En tant que membre du Conseil de l'Ordre sortant, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous et j'ai beaucoup appris de vous comme des autres membres. J'ai appris la conduite des affaires ordinaires dans les relations avec les autres. Pendant toute la durée de votre mandat, vous avez été un meneur d'or. Vous avez su prendre les décisions qui s'imposent avec responsabilité et sagesse, dans le respect de vous-même, des membres du Conseil de l'Ordre, des avocats tout entiers et de la légalité. Par ailleurs, Maître Mamadou Soaré Diop a interpellé le ministre de la Justice sur la nécessité de remédier à certaines insuffisances révélées par le procès du massacre du 28 septembre 2009 pour le bien du barreau de Guinée. Ce passage de témoins intervient aussi à un moment où se tient, dans cette belle salle, le procès longtemps attendu des événements douloureux du 28 septembre 2009. Nous saluons les efforts que vous avez déployés avec tant d'autres partenaires pour qu'il ait lieu. Ce procès met notre justice et notre pays au devant de l'actualité. S'il faut s'en réjouir, il révèle cependant la nécessité impérieuse de combler certaines insuffisances pour le bien de notre barreau, auquel il est urgent de remédier. En effet, Monsieur le garde des Sceaux, l'article 1er du décret 037 PRG-SGG du 24 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement en vue de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat crée à titre transitoire un centre préparatoire au certificat d'aptitude à la profession d'avocat au sein de la faculté de droit de l'Université de Conakry, qui aboutira à la création d'un institut du barreau. De son côté, Alphonse Charles Wright a prié pour le nouveau bâtonnier afin qu'il ait la force nécessaire avec le soutien de ses collègues pour atteindre ses objectifs. Certes, vous venez avec des ambitions. Je prie Allah qu'il vous donne la force, la santé nécessaire pour pouvoir atteindre ces réformes avec l'adhésion de tous vos collègues qui évoluent avec vous dans la confraternité. Je prie Dieu qu'il raffermisse les liens entre tous les acteurs de la justice. Maître Mamadou Soaré Diop a été élu par ses pairs le 23 décembre 2022 pour un mandat de 2 ans.